Lionel ou bien Manny Sanchez et Renal, donc ABC regarde ça. Activité déjà fait, nous rencontrer yo, qui ça ou dit nous, qui garantit nous joindre bon côté yo, qui pral aider nous arriver et faire mouvement ça et faire chimer dans le pays. Bon, faut me dire nous parler en pile de esprit qui mettait nous ensemble là. OK. Ou bonne opportunité pour me parler business connait. On parle business. Et là son business lié avant tout. Là son business lié avant tout. Qui veut dire que son nèg son artiste, il pas gérer artiste là en tant que business, l'a travaille pour la gloire et l'a fini mal. Nous avons pile exemple. On pas besoin citer mais nous avons pile exemple. Moi même pas moins ouais là comme un vrai business. Son business qui pour permettre que m'achète un bel petit costume avec une cravate qui matche avec ça à côté. C'est pas du snobiste. C'est simplement que moun kap gado là en tant que artiste pal là qui représente là, li fait une image de vous-même. Faut que propre parce que c'est vous qui représente l. Mais pour propre. Faut que art que m'a fait capable permettre moi procurer moi de ça. Là nous prenons là sur le point de vue business. Nous faisons calcul, nous dit pour qui raison sur 10 millions d'habitants, nous pas qu'à vendre 1 million CD ou bien 1 million DVD. Parce que nous voulons croire que y a plus qu'un million de télévision en Haïti. Nous plus voulons croire que y a plus qu'un million DVD player et CD player en Haïti. Leur calculer tout cas tout on gagne tibay portatif. Nous identifier problème là. Maintenant on met nous clair. À part de problème piraterie, nous même artistes haïtiens, nous avons l'autre problème. Nous avons un problème au niveau de production, nous avons un problème de financement. Lionel s'est expliqué tout à l'heure que ces derniers temps, c'est artistes là qui sont obligés de produire Affel. Les maps font film, c'est moi qui produis film. Ouais. Les tantôt désir à font film, c'est lui qui produit film. Ni. Et même leur film produit film, non, on vient rencontrer d'autres problèmes. Maintenant, qui j'aime qu'à faire pour me faire 1 million de dollars par année? Il y a un peu de monde qui a regardé là qui doit dire que ça a toujours prévu. Mais m'a songé, m'a dit en 1985, je suis dans la salle ça, dans le même studio ça, je n'ai pas parlé de cinéma haïtien. Et puis je t'ai dit, dès que ça a prévu, parce que pour me mettre dans la tête, li, que je pourrais faire cinéma à partir d'un support vidéo. Je vous dis, je suis un peu qui m'a prévu. Et je suis un peu qui a regardé, je ne suis pas prévu, le moins dit que. Nous avons fait 1 million de dollars en Haïti sur chaque film que nous sorti. Et nous avons fait qu'un pilatiste qui a regardé là, rêvait tout que yo même si vous êtes intéressé dans le cinéma, vous êtes capable de faire 1 million de dollars dans chaque movie que vous faites, même si ce n'est pas dans le premier movie ou bien dans le deuxième movie. Mais un mécanisme que vous mettez en place. Mécanisme qui vous mettez en place là. On n'a pas les business. Pour me vendre 1 million de DVD en Haïti, marché a existé. Consommateur a là déjà. Pour me vendre 1 million de DVD en Haïti, il faut que 1 million de dollars pour m'investir dans DVD. Pour me capable de faire 1 million. Je n'ai pas gagné 1 million de dollars pour m'investir dans DVD. Mais nous faisons des marches, non. Nous rencontrons des gens jusqu'à ce que nous faisons une compagnie qui croit et qui est intéressée. Nous voulons parler de HMMI Production, qui est représenté ici hein, par M. Président Li, M. Manny Sanchez. Maintenant, mais ça crive. Journée aujourd'hui, hein, Merenal de Lerme qui a rêvé hein, que lui capable de faire un film qui sorti sous DVD en Haïti et puis il font 1 million de dollars là-dedans, même si comparé à bon dollar. Mais tonton désirable qui a rêvé même bagaille là. Et c'est 1000 CD oui, l'autre monsieur qui était là dit que si on vend 1000 CD en Haïti, on vend en pile oui. Mais on possibilité pour eux même pour eux vendre 1 million. Mais on possibilité pour un pile artiste qui suivre nous là. Qui n'a musique, qui n'a rap, qui n'a compas, dans quel que soit sa lière. Mais on porte qui ouvert pour nous. Est-ce que nous avons saisi l'opportunité ou bien est-ce que nous avons chita plein dans la rue, ou en samedi là, et puis finalement, on va me connaître, on joue tomber, et puis on va le temps de ces quêtes pour le gouvernement faire pour nous, pour enterrer nous, etc. Donc nous décidons de saisir l'opportunité. Il y a une compagnie qui voulait venir investir dans l'industrie. Il est prêt à mettre 1 million de dollars dans un projet, désirable non projet Richie. Évidemment, nous pas baïtete nous mentir non, yo pas mettre 1 million de dollars dans premier projet non. Mais si son compagnie qui prête à mettre une usine de fabrication ici, son compagnie qui voit que gon gros possibilité ici. Maintenant la grande question, est-ce que Jean-président dit là pays a ouvert pour business vraiment?
Est-ce que nous-mêmes artistes, nous avons mis tête nous avec le gouvernement? Parce que l'État, c'est qui ça? Tout le monde pense que l'État, c'est dirigeant. L'État pas dirigeant. L'État, c'est dirigeant et dirigé. C'est dirigeant et dirigé qui mettent tête ensemble. Donc, le mécanisme, c'est que nous décidons de mettre tête ensemble avec instance que l'État bat nous, hein, qui relaie le bureau haïtien des droits d'auteur là. Donc, à partir de ça, pour nous capables de prouver, by investisseur, que s'il investit $1 million dans moi-même, Renal Delem, dans Tonton Désirable, dans Richie, dans Gazman, que non seulement il n'a pas perdu $1 million par là, mais il est capable de rentrer $1 million. Et pendant qu'il rentre $1 million, il y a un peu de qui va le brasser dans la promotion ici. On nous dit. Baron se permet pas ça, c'est Dino. Est-ce que mettre rêver toujours? Allez-y. On nous dit que ou prend moi-même Jean Gardi, Tonton Désirable, ou prend trois l'autre nèg qui a fait film ici, ça fait 6 produits sortis, il y a 6 millions qui sortis. On nous dit ou prend Gazman, ou prend Richie, ou prend quatre autres monde encore. Ça veut dire on nous dit chaque mois 1 million CD ou DVD qui sortis. Vous imaginez ça fait pour l'économie hein, au niveau artistique. Ou imagine ça veut dire combien cob k ap. Moi mais Haïti et me pas cacher d'où si me font $1 million va blanc non moi jure. M'a voyager oui parce que moi me voyager, moi me aller visiter, moi me aller découvrir le pays. Même bon garantie comme ça c'est là oui le va jouer. D'ailleurs depuis moi fait Miami avec comme ça et blanc va demander moi qui ça me faire avec lui et puis va commencer taxer lui et cetera. Imagine aussi comme ça brasser ici, c'est taxe en plus que moi va gagner pour me payer sur impôt sur le revenu. C'est ça. Alors, pourquoi investisseur Lionel qui l'a et Mami Sanchez qui l'a, même si on investit dans l'argent, il faut qu'on maximise. C'est pas alors, Lionel, par contre, l'organe de marché, la rencontre qu'on a déjà fait avec la délégation, est-ce qu'on estime que nous sommes sur route pour que nous gagnions quantité d'investissement ça dans le business? Bon, comme Ronaldo, et le monde qui peut acheter CDA, il a déjà, et si Diab vend déjà, et c'est un changement pour nous faire, pour nous retirer le bout de l'église et puis nous faire l'original là. So ça va se faire là, on a passé by monyo presque même prière à least qu'on a laissé dire à sorte de bébé sorti artiste là producteur a joué nos bagages la donne so marché là déjà ouais. C'est juste ouais. Et juste produit ça va nous va changer ça on a dit monyo produit ça pas bon mais ça vaut pas seulement quand avec produit ça nous by monyo là les pays bon puis bon qualité les pas freeze dans DVD ou les pas produit ça lui même l'ola qui là tel pas gravé même avec l'autre produit là n'a pas bon bon plus bon qualité et produit et coûte ça qu'a fait me content qu'on y a là nous pas dans tu n'est pas dans airport là avec Désir avec Gazman avec Richie tout le monde a dit oh artiste pas m'a dit monsieur regardez vous dire artiste pas ou pas jamais acheter original CD ou pas artiste là vrai sous dit artiste on remène faut cacher bagage original lui pour le garder que Désir après là pour le cacher ton bon pantalon mettre sous lui, pour le cacher ton bel garde mettre sous lui, c'est là ça où montrer mon aimé artiste là. So, c'est ça moi. C'est ça. Maintenant, rencontre ça vient nous faire des rencontres où on parlait tout à l'heure et là nous chita avec le président de la commission culture dans chambre Bastan, député d'Elva et responsable de HDIO, et c'est sûr que nous chita avec monsieur Emmanuel Derivois et qui suivi quoi aller après tout ça. Parce qu'en fait, bon. Est-ce que après je viens faire visite ça, d'après que vous retourner pour nous garder qui parc franchi par rapport à ça de discuter yo, ou bien qui l'autre étape nous va le franchir. Il faut me dire rapidement si je viens pour le faire parce que en vendredi matin et on est en soirée de vendredi 11 là et nous avons une grande première de films qui est en distribution par compagnie ça. Deux films ça va faire grande première en Haïti. Son façon pour nous relancer rêve cinéma encore parce qu'on est depuis 12 janvier 2010, pas rien salle cinéma dans la capitale là, à faire cinéma en petit Jean Bagay, mais nous voulons faire mon connait que hey Renaldo l'aime pas son produit, il participe son rêver. Jean Gadi bien aimé pas son produit, il participe son rêver parce que nous pas ta rien que l'autre monyo suspend produit. Mais si nous on est cap venir investir pour nous. Attendez, on va faire un film banné, à la rigueur on va faire deux. Même pas faire plus. Donc faut qu'il y ait ici dans pays là cap rêver pour faire film tout. Bien que m'ta remet non seulement pour y arriver pour y faire film mais pour y arriver pour y faire million tout parce que nous sur route chemin ça et dans vendredi matin nous avons l'autre réunion avec bureau haïtien des droits d'auteur et faut me dire gien en pile bagaille qui déjà dégagé dans réunion que nous fait yo gon appel qui déjà fait comme moi dit et dans conférence que nous t'ai fait dans matin jeudi 10 là nous gagnons député Gracia Delva qui personnellement inscrit li nan réunion ça nan bureau et nous gagnons Richie, nous gagnons Tonton Désirable, nous gagnons Gazman qui inscrit nan bureau ça donc
bah qui pour faire c'est pour tout artiste qui attendez nous là c'est inscrit et tout parce que vous pas mande comme pour inscrit et tout mais au moins sous registre et qui ça inscription permet tout lui permet que lorsque ton œuvre ou capable à enregistrer œuvre là ça c'est ça qui est très important maintenant est-ce que si vous piratez tout au capoté plainte bon l'aile pirater qu'on y a un bureau qui sont instance de l'état qui pourra accompagner vous. Et l'autre démarche qu'a fait au niveau yo nous connaissons un pilatiste qui est à l'étranger parce que malheureusement, il y a un pilatiste qui est obligé à le dégager là-bas, mais il est toujours produit là-bas. Donc, nous jouons un consensus avec Bureau qui peut permettre que l'artiste soit enregistré en ligne. Parce que c'est physiquement pour qu'il vienne enregistrer là. Donc, c'est des gens progrès qui font dans le meeting que nous faisons avec eux. Maintenant, et au niveau du processus pour réglementer bah, là, au niveau de télévision, nous chitons avec eux, nous travaillons sur le processus là. Parce que y a une instance régulateur qui l'a déjà, c'est le Conatel. Nous n'avons pas besoin de créer une autre instance. Ok? Produit enregistré. Écoute, c'est eux-mêmes qui vont faire suivi avec Conatel, que m'la, que m'pa là, pour assurer au Conatel que produit ça enregistré, produit ça, mais qui est-ce qui met li, télévision pas capable de passer le ça. Et si il y a un monde en côté, et m'a dit ça au départ, si il y a un monde en côté qui gagne ça pour passer là, hey, l'après les bureaux, l'après les nous, et puis n'a porté plainte, et puis suivi à fait. Maintenant, nous espérons que si nous avons montré, parce que le producteur a gagné des DVD, deux seuls à voir à Haïti, oui, là, qui pour sortir. Si nous avons montré que nous avons vendu, peut-être qu'il a fait 5 000, qu'il a fait 10 000, qu'il a fait 200 000, jusqu'à ce que nous arrivions dans 1 million. Parfait. Alors, nous allons avancer la fin de l'émission. Nous allons peut-être, par contre, vous avez le cas du pour. Bien sûr que oui. Yannis Sanchez. Attends-lui par rapport avec la visite ça que le fait dans le pays pour lui explorer comment il est capable de faire investissement dans le milieu ça. The objective of this visit is to explore the possibilities of investing in the cultural sector in Haiti, specifically in filmmaking, in music, and in theater. From your experience in the past 2 days that you've been here, what are your expectations and how do you find the environment? Well, personally, 2 days is not enough time. Ok, personnellement, 2 jours peut-être pas suffit pour me dire exactement qui ça que passer. But néanmoins, everything that I've seen, every person that I've met with, very very positive. Tout le monde que me rencontrer, toute instance que moi rencontrer avec toi, l'équité un petit goût très positif dans bouche lui. So tomorrow we have the premiere. So it's a start. Demain soir nous avons une grande première là, c'est un début, on a parlé de vendredi 11. So it seems like the environment is correct. The government is going to do what supposedly says we're going to do. Il paraît à moi-même que environnement correct, gouvernement paraît-il pour le faire ça le supposé faire. HMMI is also open for business. HMMI open for business too. Est-ce que quelque chose spécifique, quelque chose particulier que lui comptait venir implanter dans le pays par rapport avec tout ça d'entrepreneur? Ok, pas marketage en créole. Oui, mais ou parlez créole, parlez créole. Pas. What are some of the other things besides directly in the industry, the CD duplication and the DVD duplication? What are the other things that you think your company might be able to offer to Haiti? Well, some of the things that we were looking into is, and we've talked about the theaters. Okay, l'autre bagaille que nous avons gardé là-dedans et nous avons parlé de ça, c'est les salles de théâtre, les salles de théâtre polyvalentes au niveau des mairies. The other thing that we talked about, and I've talked to a few people in the United States already that they're very much interested in, is actually putting a factory here. Okay, bien, l'autre bagaille très important, il parlait avec d'autres partenaires parlés aux États-Unis, c'est mettre une usine de fabrication de CD et de DVD ici. The other thing that we're looking at is we're working on a project. Richie and Gasman and I were working on a project to take a lot of the culture, the Haitian culture, with Tonton Desirab, yourself, Jean Gardy. We want to take this into other places, into the Caribbean. I'm from the Caribbean. I love compa music, you know, I think it needs to be exposed in more areas, not only in the Caribbean, there's a lot of other countries. It's good music and it needs to be exposed in a way because I see the Haitian artists, the actors, the musicians, they work very hard. L'autre travail que Livre fait, c'est prendre industrie, musique, cinéma, théâtre haïtien
et non seulement développer l'en Haïti, mais développer dans le reste du monde là, en dehors de communauté haïtienne. C'est ça. Nous allons finir, il est arrivé quelques secondes pour chaque monde, pour dire un petit mot. On va commencer à Lionel. Ça va vous dire que le mouvement, ça, ce n'est pas moi-même, Baba, ce n'est pas pour nous lier. Mm-hmm. So, on voit que tout le monde qui est rentré là-dedans. So, on avait dit notre producteur, notre traditionnel, net, on est rentré, ce n'est pas pour moi nier, c'est pour nous tous lier. Manny, the last word, please. Mm-hmm. I love it here. Bah quoi ça me je traduis. Tonton hein? Bon dernier mot moi. Bon bague dernier bon parce que là jeune va le faire pile bas et toujours avec Michael Jackson c'est donc si nothing yet. C'est le bail Napton moon vendredi 11 novembre dans Mairie Delmar. Vin relax, vin gade tonton, vin gade money, vin gade Richie, vin gade Gatman, vin gade Napton. Tout le monde vin gade deux bons films vendredi 11 dans Mairie Delmar. Napton tout le monde. On va sous scène non? Oui. Ça est comme un surprise. Moi, je suis dernier au PAM. Haïti is open for business. Renaldo Lem a cherché travail. Bon, c'est une bonne note prise. Oui. Merci à Pile parce que nous sommes passés dans un studio de télévision pour un programme spécial. Ça, c'est sûr que téléspectateurs, téléspectatrices apprennent à Pile. Et un gazement avec Richie dans le premier plateau et dans le deuxième plateau. Hein, et Renaldo Lem, Baba, Tonton Désirable, Manny Sanchez et puis Lionel Bipers. Je ne sais pas trop qu'on. Alors merci à toute l'équipe là, était branché télévision pour reste programmation et puis après ton suivi pour le gagner après et visite ça et puis rendez-vous vendredi soir dans le palais municipal d'Elma pour grande première deux sœurs et puis film Jean Gadia série apprendre ou à laisser bonsoir et à bientôt. L'entente des musiques la populaire dans toute caille dans tout coin c'est que gain au moins 1 million de copies. Mais l'offre vend 50 000 copies légales. 1 million de dollars dans le premier projet. Non? Mais si son compagnie qui est prête à mettre une usine de fabrication ici, son compagnie qui voit qu'il y a une grosse possibilité ici. Maintenant, la grande question, est-ce que, Jean-Président dit là, le pays a ouvert pour business vraiment? Est-ce que nous-mêmes artistes, nous avons mis la tête avec gouvernement, parce que l'État c'est qui ça? Tout le monde pense que l'État c'est dirigeant. L'État pas dirigeant. L'État c'est dirigeant et dirigé.